très attendu, le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire dénommé gouvernement Patrick Atchi II est connu depuis mercredi 20 avril 2022. Le gouvernement de Côte d'Ivoire dénommé gouvernement Patrick Atchi enregistre deux nouveaux entrants. Il s'agit de Mamadou Sangafoua Koulibaly, nommé ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et Françoise Remarque, nommée ministre de la Culture et de la Francophonie. Diplôme si l'on en sait un peu plus sur Mamadou Sangafoua Koulibaly, qui a occupé dans un passé récent le poste de ministre de l'Agriculture, sûrement que certains se demandent qui est Françoise Remarque. L'Infodrome, après quelques recherches, livre des informations sur la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque est diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, et titulaire d'un exécutif MBHEC Paris. Diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, et titulaire d'un exécutif MBHEC Paris, Françoise Remarque a débuté sa carrière en 1986 chez Ernst & Young à Paris. Lire aussi nouveau gouvernement, de nouveaux entrants, les secrétaires d'État et ministres délégués, remerciés. Elle cumule plus de 25 années en direction dans les secteurs de la distribution, des médias pour le compte de groupes à l'international, particulièrement en Afrique. Elle a contribué à la création de Canal et Côte d'Ivoire avant de la diriger. Parcours professionnel. En 2010, Françoise Remarque est nommée directrice des relations institutionnelles et communication de Canal et Afrique en France. En avril 2015, Françoise Remarque rejoint CFAO en qualité de VP directrice de la communication et des relations institutionnelles du groupe. Françoise Remarque est commandeur de l'Ordre de la communication de Côte d'Ivoire. Elle est mère de trois enfants passionnés par les industries créatives et culturelles. Elle a favorisé et accompagne l'initiative Alliance ICC. Elle vise à accompagner les entrepreneurs à fort potentiel dans ce secteur en Côte d'Ivoire et à contribuer à sa structuration. Françoise Remarque occupe également plusieurs fonctions en tant qu'administrateur au sein de sociétés dans les secteurs des banques, assurances et services en Afrique. Lire aussi Côte d'Ivoire, deux grandes institutions initient ICC Tour dans plusieurs universités et grandes écoles très engagées auprès des jeunes et des femmes. Elle accompagne également différentes initiatives à fort impact sociétal sur le continent. Françoise Remarque est commandeur de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire et commandeur de l'Ordre de la communication de Côte d'Ivoire. Elle est mère de trois enfants.